mystère. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Mais qu'est-ce que tu as dans la tête, Bachir? Une bougie allumée, monsieur Pierre, dans son lit. Je voulais faire une expérience scientifique, papa. Dans son lit. Là, il y a des jours où on aimerait revenir aux bonnes vieilles méthodes d'autrefois. La fessée, ça avait du bon, finalement. Pourquoi on ne donne plus de fessée aux enfants? Vous le savez, vous, monsieur Pierre? Bien sûr. Vous voulez que je vous raconte l'histoire du dernier marchand de fessée? Oui, ça m'intéresse. Oh oui, tu nous la racontes, monsieur Pierre? D'abord, est-ce que vous avez déjà vu une fessée, papa Saïd? Vu? Non, bien sûr que non. Les seuls fessés que j'ai connus, je leur tournais le dos, forcément. C'est bien dommage, parce qu'il n'y a rien de plus charmant ni de plus gracieux qu'une fessée, surtout à l'état sauvage. La fessée sauvage vit en liberté au milieu de la forêt amazonienne, au pays des tutupampans. La fessée sauvage est vive, rustique et volontiers facétieuse. Mais ça capture une entreprise souvent hasardeuse. Il existait autrefois une race de fessées domestiques. Les parents d'enfants désobéissants pouvaient s'en procurer toutes sortes de modèles au magasin du marchand de fessées. Bonjour mes petites fessées, bonjour mes toutes belles. On a bien dormi? Tiens. Ouh, t'as pas bonne mine, toi. Attrape. Élevées et reproduites en captivité, elles avaient depuis longtemps perdu la joie de vivre de leur lointaine cousine sauvage. Voilà pour nous. D'autant plus que les affaires marchaient mal. Tu as bien dormi, Lily? Non. Je sais, manque d'exercice. Il vous faudrait quelques bonnes paires de fesses pour vous dégourdir les mains. Que voulez-vous? Les enfants ne font plus bêtises par ici. Ils sont polis et obéissants. Alors, naturellement, c'est le chômage des fessés. C'est la crise. Sale mot. Bonjour, monsieur. Salut. Bonjour, monsieur le marchand de fessés. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le marchand de fessés. Oh, belle journée, n'est-ce pas? Oh! Et bonjour, et gna gna, il fait beau ce matin, il pleut ce soir. Mais vous n'en avez pas assez à la longue d'être poli. Oh non, monsieur. Pourquoi, monsieur? Mais parce que c'est amusant d'être mal élevé. Vous ne dites jamais de gros mots. Des quoi, monsieur? Des gros mots, bon sang! Crotte, caca, pipi, nichon, zut, crotte de bique, gros cul! Gros cul, crotte de bique, nichon. Eh ben voilà! C'est rigolo, non? Et sachez qu'il n'y a aucun mal à dire des gros mots. Apprenez les dons à vos camarades. Et n'oubliez pas d'en dire quelques-uns à la maîtresse. Vous allez voir comme ça va lui plaire. Entendu, monsieur. Au revoir, monsieur. Et merci pour le conseil, monsieur. Oh. Crotte, caca, pipi, nichon, crotte de bique, crotte de bique. Les affaires reprennent, mes petites chéries. Les affaires reprennent. Soyez, faites bonne figure, mes toutes belles. Les clients vont débarquer. Avant ce soir, vous aurez toute votre ration de petites paires de fesses. Qui vous a donc appris tous ces mots nouveaux? C'est le marchand de fessées, maîtresse. Quelle drôle d'idée, enfin! Si ça vous amuse de les dire, moi ça me gêne pas vraiment. Zut, zut, crotte de pique! Bonsoir, monsieur le marchand de fessées! C'est gosse! Attendez!
Oui, monsieur. Et dites-moi, quand vous avez envie de quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Nous le demandons à nos parents, monsieur. Et pourquoi ça? Pour qu'ils nous le donnent, tiens. Mais c'est stupide! Vous savez bien qu'une fois sur deux, ou vous êtes trop jeune, ou bien c'est pas bon pour vous, ou je ne sais quoi. Non, non, moi, à votre place, je ne demanderai rien du tout et je ferai tout ce dont j'ai envie. Je vous dis ça, c'est pour votre bien, naturellement. Eh bien, puisque c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, nous ferons tout ce que nous voudrons. Et sans demander la permission à personne. Cette fois, ça y est, les bêtises vont pleuvoir. Henri, qu'est-ce qui t'arrive? C'est très bon. Thomas, tu ne joues pas avec l'eau? Non, non, maman. Thomas, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bon. Excellent. Écoute ça, Bachir. Voilà ce qui arrive quand on joue avec les allumettes. Pourtant, les parents ne se fâchèrent pas. Et toc. Et voilà les parents modernes. Ils réconfortent leurs enfants. Et puis, ils dialoguent. Comme s'il fallait dialoguer. Une bonne fessée, oui. C'est ça qu'il leur faut aux enfants. Quand tu as envie de désobéir, parle-nous-en d'abord, Thomas. Ce sera mieux. Je voulais seulement jouer avec le courant, papa. Une autre fois, parle-nous-en avant. Si tu nous avais demandé, on aurait pu en parler ensemble, Mathieu, et t'expliquer pourquoi c'était dangereux. Fichu éducation moderne. Et j'ai plus qu'à fermer la boutique. Si tu faisais de la pub à la télé... Tu sais ce que ça coûte. Et des soldes, des promotions. Tu pourrais donner 3 fessées pour le prix d'une. Ils n'en veulent même pas une. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Des FSF. Des FSF? Des fessées sans fesses. On n'a plus qu'à aller dormir sous les ponts ou jouer de la musique dans le métro. Attends, Lily. Là, tu me donnes une idée. Bienvenue au Cirque des Fessées. Spectacle gratuit pour les enfants, interdit aux parents. En attendant le grand bouquet final qui clôturera tout à l'heure notre spectacle, voici le premier numéro. Bonjour les petits enfants. Bonjour. Bonjour les petits enfants. Bonjour. Tu as vu comme ils sont bien polis? Trop polis pour être omelette. Vous étiez assis sur vos petites fesses, les enfants? Oui. Oh, j'ai les mains qui me démangent. Danseuses étoiles, et avant notre grand bouquet final, voici Zampana, la fessée la plus forte du monde. Tant attendu du grand bouquet final des fessées. Quand je serai parti des enfants, vous compterez jusqu'à 10 et vous ouvrirez la porte de la cage. Alors, ce sera le grand bouquet final. Au revoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ne put pas s'asseoir pendant un mois. Et les fessées? Oui, qu'est-ce qu'elles sont devenues, les fessées, monsieur Pierre? Eh bien, elles avaient pris goût à la liberté et elles ne voulurent pas regagner leur cage. Elles s'en retournèrent au pays de leurs ancêtres, au pays des tutus-pampans, retrouver leur cousine sauvage. Quant au marchand de fessées, il a refait entièrement sa boutique. Rayonnage, peinture et tout. Il ne vend plus de fessées. Il ne veut même plus en entendre parler. Des parents, qui ne sont pas au courant, entrent encore parfois dans sa boutique. Je veux une fessée, vite! Une bonne fessée bien solide, c'est pour une grosse bêtise de Bachy. Ah, vous faites erreur, monsieur, si votre enfant n'est pas sage. Tenez-lui donc des bonbons. Il n'y a rien de mieux que les friandises pour corriger les bêtises. Les pommes de terre, les diables vont au paradis. Rue Broca. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Broca. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Broca. Faut pas le répéter. Rue Broca. Faut pas le répéter. Rue Broca. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Broca. Faut pas le répéter. 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 Et moi je te dis que non. Et moi je te dis que si. C'est même pas vrai d'abord. Oh, ça suffit. On ne s'entend plus. Allez donc vous chamailler ailleurs. C'est Bachir, papa. Il dit qu'on ne peut pas voir les choses invisibles. Ton frère a raison, Nadia. Si une chose est visible, on peut la voir. Et si on ne la voit pas, c'est qu'elle est invisible. Tu vois? Pourtant, toi, papa, quand Bachir fait un mensonge, tu le vois tout de suite, non? C'est vrai. Un mensonge, c'est pourtant bien une chose invisible. Vu comme ça, oui. Peut-être qu'on peut voir certaines choses invisibles. Tiens, tu vois. Qu'en pensez-vous, monsieur Pierre? Ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Une histoire vraie, qui m'est arrivée personnellement. Racontez-nous ça, monsieur Pierre, je raffole des histoires vraies. À cette époque, j'écrivais déjà des livres sur les sorcières. Il était une fois une sorcière la plus laide, la plus moche, la plus affreuse qu'on ait jamais vue. Cette vilaine sorcière était si méchante que... Qu'est-ce que c'est? C'est la sorcière! Ouvrez-moi! La sorcière? Oui, la sorcière! Ouvrez vite! Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez donc! Voilà, voilà! Voilà! Oh!
Bonjour, madame. Pour une surprise, c'est une surprise. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Inutile. Je ne fais que passer. Oh, je vous dérange. Vous alliez vous coucher, peut-être. Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Vous étiez en train d'écrire, sans doute. Oui, j'écrivais. Enfin, non. Oh, non. Enfin, juste un peu de courrier. Il y a longtemps que je voulais vous remercier, monsieur Pierre. Me remercier? Mais de quoi? De toutes les jolies histoires que vous écrivez sur moi. Ah? J'ai beaucoup aimé la sorcière de la rue Mouffetard. Quant à la sorcière du placard au balai, je n'ai jamais rien lu d'aussi plaisant. Ça ne vous gêne pas que je vous transforme en grenouille? Que je vous appelle Miss Horreur? Ou que je vous fracasse le crâne? Au contraire, c'est rigolo! Et pour vous prouver ma reconnaissance, je vais vous faire un cadeau. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi? Avez-vous envie d'être roi? Roi? Oh non, pas roi. Dictateur, alors? Encore moins, quelle horreur! Attendez, aimeriez-vous devenir invisible? Non, sans blague, c'est possible? Si ça vous plaît, venez avec moi. Montez donc! Montez! Et où vous a-t-elle emmené comme ça, cette sorcière, monsieur Pierre? Chez elle? Oui, dans sa maison. Mais ça n'était pas une maison ordinaire. Là, c'est ma chambre à coucher! Très calme! Ma salle de bain! Le salon! J'adore le rustique! Cuisine intégrée, tout équipée. Vous voyez cette bouteille? Eh bien, avec une seule goutte de cette eau, vous rendez n'importe quel objet invisible. Quelle bouteille? La voyons sur l'étagère. Oh, que je suis bête. L'eau qui rend invisible a rendu la bouteille invisible. Forcément. Prenez, et surtout ne la laissez pas tomber. Si vous en buvez une gorgée, vous devenez invisible. Merci, je vous dois quelque chose. Je ne suis pas un épicier, pour qui me prenez-vous? J'imaginais déjà les bonnes blagues que j'allais pouvoir faire quand je serais invisible. Moi, si j'étais invisible, je sais bien ce que je ferais. Bonjour, madame. Bonjour. Mais il n'y a personne. Au revoir, madame. Merci, madame. Moi, si j'étais sûr d'être invisible, je sortirais dans la rue. Nadia, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais te rendre invisible? Moi, j'irais place de la mairie voir les joueurs de boules. Minable! Ridicule! Oui, là, c'est Marcel, le patron du bar des sportifs. Tu vois, petit, je vais te donner un bon conseil. Les boules, c'est comme les femmes. Faut y aller carrément. Celui-là, il m'énerve depuis trop longtemps avec ses airs supérieurs et ses réflexions imbéciles. Regarde bien celle-là, petit! Elle est sur des rails, et hop! Et voilà le train! Ah.
Et toi, monsieur Pierre, qu'est-ce que tu as fait comme blague? Moi, pour l'instant, je faisais surtout bien attention à ne pas renverser ma bouteille. Oh, 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 ah, ah. Zut, mon lacet. Là. Voilà. Bon. Ma bouteille. Où est ma bouteille? Ne nous affolons pas. Elle est sûrement quelque part. Oh, oh. Oh. Oh là là. Beau travail. J'étais sûre que tu ferais cette bêtise. Pousse-toi un peu. Vous pouvez réparer ce que je viens de faire? Rien du tout. J'enlève seulement les morceaux de verre invisibles pour que les enfants qui jouent ne se coupent pas les doigts. Ça, c'est gentil. Surtout pour une sorcière. Bon, ce n'est pas parce que tu écris des horreurs sur moi que je n'ai pas de cœur. Mais madame, où êtes-vous? Mais je ne vous vois plus. Évidemment, puisque j'ai touché l'eau qui rend invisible. Qui a bien pu faire ça? Il faut appeler les pompiers, la police. Oh là là, là là là. Allez, inutile de traîner. File avant qu'on ne te repère. Oh là 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 là. Le liquide de la bouteille s'enfonçait lentement, creusant un grand trou dans la terre. Mais ça n'était pas un vrai trou. Attention, c'est dangereux! Non, ça tient, c'est du solide. Aïe! Oh, oh là là! L'étrange phénomène qui a pris naissance dans le quartier Mouffetard à Paris s'est étendu à l'ensemble de la capitale. L'Europe a totalement disparu et le trou continue de s'étendre. Les experts se demandent comment l'humanité va pouvoir faire face à cette nouvelle crise, une des plus importantes de son histoire. Oh là 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 là. Et pourtant, les gens commençaient à s'organiser, tant bien que mal. Bonjour mademoiselle Mireille, comment ça va ce matin? Que voulez-vous? On fait aller, monsieur Pierre. Alors madame Mouron, promène son toutou. Ah oui, monsieur Pierre. C'était pas malheureux de voir une chose pareille. Allez, viens, Rodolphe. Je savais que tout ça était de ma faute et je ne voyais pas quoi faire pour réparer. J'écrivais maintenant des histoires invisibles pour des livres invisibles que personne ne lirait jamais. Qui est là? C'est moi, la sorcière. Eh bien, vous en faites une drôle de tête, monsieur Pierre. Si vous pouviez vous voir. Mais c'est plus une vie. Qu'allons-nous devenir? Allez, je vois bien qu'il faut que je m'en occupe. Tiens, prends ça. Encore une bouteille? C'est l'eau qui fait voir l'invisible. Bois-en une gorgée. Eh, oh, oh, une gorgée suffit. Merci, ça fait plaisir de vous voir. Les sorcières, on en dit beaucoup de mal, mais on est bien content de les trouver quelquefois. Pouvez-vous me laisser cette bouteille que j'en fasse boire à mes amis? Pas question. Pour que tu me la casses encore une fois, j'irai moi-même de par le monde faire boire tous les hommes et toutes les femmes, ce sera plus sûr. Et c'est ce qu'elle a fait. J'ai pas bien compris, monsieur Pierre. Le monde n'était plus invisible alors. Mais si, il l'était encore. Mais non. Mais si. Attendez, tout était encore invisible. Seulement, après avoir bu l'eau de la bouteille, les hommes pouvaient voir ce qui était invisible. C'est ça, monsieur Pierre? Exactement. C'était comme avant alors? Pas tout à fait. Car depuis ce temps-là, il y a des gens qui arrivent à voir certaines choses invisibles. Comme les mensonges de Bachir? Comme les sorcières? Comme les fées? J'ai un voisin. Il dit qu'il voit les anges et le bon Dieu dans le ciel. Mais moi, j'ai beau regarder, je ne vois rien. Il faudrait peut-être que je me fasse faire des lunettes. C'est rigolo. Musique.
des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Les enfants sont occupés, Monsieur Pierre. Vous êtes tranquille aujourd'hui. Pas d'histoire à raconter. Tiens, ça me rappelle une histoire, justement. Je disais, ça me rappelle une histoire, justement. Si vous me la racontiez à moi, cette histoire, Monsieur Pierre. C'est l'histoire de Satko, qui racontait des histoires et jouait de la cithare à toutes les grandes occasions. Il jouait des airs joyeux au baptême et au mariage et des airs tristes aux enterrements. Tout le monde appréciait Satko au village. Mais un jour, où le plus riche marchand de la ville mariait sa fille... Votre invitation, merci, monsieur. Ton invitation? Je suis Satko, le musicien. Et je sais qui tu es, mais on n'entre pas sans invitation. Mais la fête ne peut pas commencer sans moi. Vraiment? Écoute. Ça alors? Ça t'intéresse? Toi, Satko, avec cette machine, fini les musiciens, c'est terminé, dépassé, mon gars. Ne touche pas à ça! Merci pour cette belle musique, Satko. Tu connais mon nom, Madame Dulac? Bien sûr, et je connais tes soucis. Eh oui, il ne me reste plus qu'à mourir puisqu'on n'a plus besoin de musiciens. Ne dis pas cela. Demain, va trouver le marchand et parie avec lui tout ce que tu voudras que tu pêcheras le poisson d'or. Mais je ne sais pas comment l'attraper, moi, ce poisson. Ne t'inquiète pas, fais ce que je te dis. Un poisson d'or? Allons donc, tu as trop bu. Je n'ai rien bu du tout. Combien pariez-vous que je le pêche? Tout ce que tu voudras. Le poisson d'or n'existe pas. Eh bien, si je le pêche, vous me donnez un navire rempli de marchandises pour que j'aille les vendre en pays étranger. D'accord. Et même, je m'engage à te donner mes fils comme matelots. Mais si tu ne le pêches pas, je te fais couper la tête. D'accord? D'accord. D'accord. Parfait, ce sera drôle. Allons-y tout de suite. Maître! Maître, attendez, attendez! Madame Dulac, c'est le moment de tenir ta promesse. Hey, oh! Gracieuse dame! Ne m'abandonne pas! Pas maintenant! Bon, ça suffit maintenant! Tu abandonnes? Hey! Dis, tu crois pas que tu exagères? Ça t'amuse qu'on me coupe le cou? C'est ça que tu veux? Oh! Toute la ville avait vu le poisson d'or. Le riche marchand était bien obligé de tenir sa promesse. Il lui a donc fourni un bateau? Oui, un gros navire chargé de marchandises précieuses. Et comme il s'y était engagé, il donna aussi ses fils pour servir de matelots. Allez! Un peu de nerf, les gars! C'est mou!
Quelques jours plus tard, le navire atteignait la mer. Adieu, poisson d'or. Si tu vois Madame du Lac, dis-lui qu'elle me manque beaucoup. Sadko descend vers le sud. Dans tous les ports où il s'arrête, il vend ses marchandises, ses fourrures, son bois, son miel. En échange, il embarque de l'or, de l'argent, des perles, des étoffes précieuses, des épices et des parfums rares. Au bout de plusieurs mois, il se décide enfin à revenir chez lui. Mais le vent cesse tout à coup de souffler. Pour les marins de cette époque, le manque de vent était la pire des catastrophes. Le dieu des mers n'est pas content. C'est lui qui nous envoie cette malédiction. C'est de ta faute aussi. Depuis que nous sommes partis, tu n'as pas remercié Neptune une seule fois. Il ne lui a pas fait un seul cadeau. Bon. Qu'on jette à la mer un tonneau d'argent fin. Qu'on jette un tonneau de perles. Quoi, ça ne suffit pas à votre Neptune? Un tonneau rempli d'or? Et qu'est-ce qu'il veut à la fin, ce Neptune? On ne va quand même pas lui faire le sacrifice d'un homme. Pourquoi pas? C'est vrai? Pourquoi pas? Eh oh, attendez! Qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez! Ah! Ouais! Eh bien, Sadko, tu ne venais pas. Il faut que ce soit moi qui aille te chercher. C'est que je ne savais pas, monsieur le dieu. Allez, je ne t'en veux pas. Maintenant que tu es là, tu vas me jouer un petit air. Ta musique est douce et belle, Sadko, mais n'as-tu rien de plus rythmé et de plus moderne? Vite, plus fort, encore plus vite. Chaud, Sadko. Ouais, ouais. Encore, encore. Ouais, bien, ouais. Ah! Bravo. Regarde, Sadko. Mon navire, mes marins. Tu es content, j'espère. Te voilà vengé. Eh bien. Qu'as-tu, Sadko? Tu as l'air triste. Sadko! Oui? Non. Seulement, maintenant que je n'ai plus de bateau, comment je vais faire pour retourner dans mon pays? Ne t'en fais pas. Je crois que tu connais ma fille, l'Ondine du Lac. La Dame du Lac? C'est votre fille? Elle est belle. Tu l'aimes? Oh oui, ta majesté. Elle habite ici avec ses sœurs. Je te la donne en mariage. Vrai? À une condition. Ah? Tu devras la reconnaître parmi toutes mes filles. Ça, c'est facile. Oh! Elles étaient toutes pareilles? Eh oui, Papa Saïd. Toutes les filles de l'océan se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et ensuite? Ensuite, Monsieur Pierre. Ensuite, Sadko s'avança parmi les ondines. Surtout, ne te trompe pas! Car si tu épouses par erreur l'Ondine du Nil, tu te retrouveras demain matin en Égypte, et si c'est l'Ondine de l'Indus, tu te retrouveras aux Indes. Est-ce que je peux leur poser une question au moins? Si tu veux. Mais je leur défends de te répondre, ni par un mot, ni par un geste, même par un sourire. Et gare à celle qui me désobéira. C'est toi, l'Ondine du Lac? C'est toi? Est-ce que c'est toi? 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 Je n'y arriverai jamais. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Voilà! C'est celle-ci que je veux épouser. Il est plus malin que je ne le pensais. Je t'attendais, Sadko.
Neptune était un peu déçu. Il aurait bien aimé que Sadko reste avec lui pour jouer de la musique, mais il n'avait qu'une parole, et le soir même, on célébrait la noce. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, où je dors? Qu'as-tu? Tu n'as pas l'air heureux de m'épouser? Si, bien sûr. Mais je pense à mes pauvres marins. Ils n'ont pas été très gentils en me jetant par-dessus bord. Mais tout de même, c'était pas une raison pour les noyer. N'y pense plus, va. Dors. Tu es fatigué. Demain, tu auras une bonne surprise. Quelle surprise? Dors. Sadko! Sadko! Sadko, réveille-toi! Hein? Hein? Quoi? Non, non, ne me coupez pas la tête! Mais qu'est-ce qui te prend, l'ami? Tu faisais un mauvais rêve? Rêve? C'était un rêve? Ça fait des heures qu'on te cherche, Sadko! Qu'est-ce que vous me voulez? Tu ne voudrais pas venir chez moi avec ta sitar? Je donne un bal public pour le mariage de ma fille, et je voudrais que tu viennes l'animer! Mais... et votre machine? Celle qui fait de la musique toute seule. Oh, les machines, tu sais. C'est machinal. C'est lassant à la longue. Toi, c'est pas pareil. Tu sens les choses. Tu comprends quand les danseurs sont fatigués ou quand ils veulent faire les fous. Et puis toi, tu racontes des histoires. Et tu en connais toujours de nouvelles. Allez, pardonne-nous de t'avoir brusqué, Sadko. Et viens, tout le monde t'attend. Depuis ce jour jusqu'à la fin de sa vie, Sadko, le sitariste, fut invité à toutes les fêtes. Alors, ce film, c'était comment? Bof, pas super. On a déjà vu presque le même hier. La télé, c'est toujours pareil. Et puis, c'est pas vivant comme quand vous vous racontez, monsieur Pierre. Exactement comme pour Sadko. Les gens du village se sont vite lassés de la machine à faire de la musique et ils sont revenus le chercher. Sadko? Oh, tu nous racontes l'histoire de Sadko, monsieur Pierre? Ah oui, oui, monsieur Pierre. Dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Et deux qui font 35. Ah, désolé, j'ai plus de monnaie, monsieur Pierre. Ça ne fait rien, vous me paierez la semaine prochaine. La semaine prochaine? Vous ne prenez pas de vacances, papa Saïd? Oh, moi, les vacances, vous savez. J'expédie les enfants chez leur grand-mère et bon débarras. C'est ça, mes vacances. On va en Bretagne, monsieur Pierre. À la mer. Ah, la mer. Moi, j'avais à peu près ton âge, Bachir, quand j'ai vu la mer pour la première fois. Je m'en souviendrai toujours. Oh, tu nous racontes? Ah oui, oui, monsieur Pierre. C'était l'année des premiers congés payés. Mes parents avaient loué pour 15 jours une petite maison dans le village de Saint-Déodat, sur les bords de la Loire. À cette époque, je ne rêvais que d'une chose, devenir marin et voyager au loin. Il y aura des bateaux, papa? Qu'est-ce que tu dis, Pierrot? Est-ce qu'il y a des bateaux sur la Loire? Bien sûr, mon Pierrot. C'est un fleuve, tant mieux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est content. Ah, tant mieux. Thank you.
Pas mécontent d'être arrivé. Ah, c'est grand. Bah, et t'avais dit une petite maison, papa. Pierrot, 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 tu pourrais aider papa. Où vas-tu, Pierrot? Je vais voir les bateaux, maman. Ne te noie pas, chérie. Ben, où sont les bateaux? Il n'y a presque pas d'eau. Mais qui a fait ça? C'est la folie des hommes qui a fait ça. Viens, je vais te montrer quelque chose, Moussaillon. Autrefois, les navires de haute mer remontaient le fleuve. Ça m'arrête ici. Pourquoi ils ne viennent plus? À cette époque, le pays était couvert de forêts profondes. Mais le roi de France avait besoin de navires, beaucoup de navires, pour faire la guerre aux Anglais. Il a fait abattre tous les arbres de la région afin d'avoir du bois pour construire sa flotte. Et alors? Alors, le terrain qui n'était plus protégé par la végétation s'est effrité, usé. Il est parti en tout petits morceaux. Emporté par la pluie, il est venu remplir de sable le lit du fleuve. Maintenant, la Loire n'est plus navigable. Les bateaux de haute mer restent dans la mer. Et Saint-Déoda n'est plus un port. Et on n'a rien fait pour empêcher ça? Et il n'y avait pas d'écologiste à cette époque, petit. Seul, le capitaine de Cracugnas s'est opposé au roi. Le capitaine de Cracugnas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mutiné avec son équipage. Mais le roi l'a fait pendre. Pourtant, avant de mourir, Cracugnas a juré de venger un jour ce pays. Pierrot! Pierrot, à table! Elle est où, la mer? Par là, maintenant. À 107 000. 107 000 quoi? À 107 000 tout court. Tu ne connais pas les milles marins, matelot? Ça fait 200 kilomètres. C'est loin. Pierrot! Monte à bord, Moussaillon. Tes parents vont s'inquiéter. Adieu. Mais est-ce que... Oh! Pierrot! Bonne nuit. Fais de beaux rêves, Moussaillon. Monsieur Pierre? Oui, un merveilleux rêve. Le village de Saint-Déoda s'était transporté tout seul au bord de la mer. Sais-tu, Moussaillon, que certains rêves peuvent devenir réalité? Vous croyez, monsieur? Appelle-moi capitaine. Seulement, il faut être plusieurs. Moi, ça fait des siècles que j'essaie de transporter le village au bord de la mer. Mais seul, je n'y arrive pas. Des siècles? Les gens de Saint-Déoda sont des paysans et ils n'aiment pas la mer. J'étais seul jusqu'ici à faire ce rêve. Mais maintenant que tu es là, Moussaillon... Vous voulez dire que maintenant que je suis là, c'est possible, monsieur, capitaine? Unis, nous ferons des merveilles. C'était la devise des Cracugnas. Est-ce que tu as un réveil? Oui. Minuit, c'est l'heure. Le village de Saint-Déoda soit transporté au bord de la mer. Le village de Saint-Déoda soit transporté au bord de la mer. Pierrot, debout. Le petit déjeuner est prêt. Beau temps ce matin. C'est bizarre, non? Après l'orage de cette nuit. Pierrot,
Pierrot, ton déjeuner. Oh zut, c'est raté. Viens voir, moussaillon. Qu'est-ce qui s'est passé, capitaine? L'anneau a disparu. Eh oui, petit, c'est un début. Le déménagement de Saint-Déodat a commencé. Et ça ne faisait que commencer. Le soir même, le capitaine et moi nous unissions nos volontés pour poursuivre le déménagement du village. Que le village de Saint-Déodat soit transporté au bord de la mer. Que le village de Saint-Déodat soit transporté au bord de la mer. Écoute ça, Madeleine. Mystère à Saint-Déodat. La fontaine et le lampadaire qui avaient disparu ont été retrouvés sur la côte atlantique à 200 km du village. Les voleurs courent toujours. Quelle époque! Le maire a décidé de faire revenir les monuments à Saint-Déodat où ils doivent être remis en place dans la journée. Ce n'est pas sans une certaine émotion que j'accueille aujourd'hui le retour de notre lampadaire et de notre fontaine. Sachez-le, votre mère est décidée à s'opposer par tous les moyens à cette tentative sournoise de déménagement de notre patrimoine municipal. Saint-Déodat est un village campagnard à la campagne et il entend le rester. C'est la guerre, moussaillon. Prends le bois de combat. Maintenant, c'est eux ou nous. Rien à signaler, charcutier? Et rien pour l'instant, monsieur le maire. On les attend de pied ferme, ces bandits. Écoutez! Ah, on se fait bien, canard! Lâchez-moi! Et attention, il se déballe, oh! Quel curé! Qu'est-ce que vous faites ici, Astor? Il me semblait avoir entendu des bruits suspects. Oui! Tiens, de l'orage. Enfin! Grand Dieu! Une course de vitesse avait commencé. À grands frais, le maire tenta de faire revenir le patrimoine municipal. Mais notre technique était parfaitement au point. Même en plein jour. On ne va quand même pas se laisser déménager à la mer sans réagir. Ah oui, c'est illégal. Organiser un retour de nos maisons. Nous avons affaire à des forces qui nous dépassent. Misère, si c'était le diable. Mais pourquoi lutter laissant nous faire? Vous n'aimez pas la mer? C'est vrai, quoi! On en a assez de la campagne! Vous êtes fous, abandonner nos champs! C'est de vivre au bord de la mer! Ah ben, oui. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette cinglée? Alors, raison! Oh! Voyons, messieurs! Messieurs! Je vais faire rentrer ça dans la corde à toute course, la Marie! Je vous en prie, évitons les mots qui fâchent! La place de notre village est ici, groupé autour de son église, pivot de notre communauté et point d'ancrage de notre... Monsieur le curé! Monsieur le curé! Que se passe-t-il, mon enfant? L'église, monsieur le curé! Je Marie-Joseph et Saint-Déodat! Du calme, mes chers concitoyens, du calme. En ces heures difficiles, il est plus que jamais nécessaire de rester unis autour de votre mère, de votre mairie, ultime garant de la stabilité de... Mon rêve se réalisait enfin. Saint-Déodat était devenu un port de mer. Et les habitants? Même les plus récalcitrants acceptèrent la chose. Les vieux achetèrent des cannes à pêche, les enfants prirent l'habitude d'aller à la plage, les paysans se reconvertirent en marins-pêcheurs. Et le vieux bonhomme, le capitaine de Krakounias? Il avait disparu. Je ne l'ai revu qu'une seule fois.
Moussaillon! Oh oh! Moussaillon! Oh! Moussaillon! Moussaillon! Oh! Adieu, Moussaillon! Adieu! Et merci pour Saint-Déodat! Adieu, capitaine! Et bon vent! Pommes de terre, les diables vont au paradis. Rue Broca. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Broca. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Broca. Faut pas le répéter. Rue Broca. Faut pas le répéter. Rue Broca. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Broca. Faut pas le répéter. 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 Eh bien, Nadia, tu as faim? On dirait une vraie ogresse. Ouais, je suis une ogresse. Je mangerais n'importe quoi. Tiens, ça me rappelle l'histoire de Jeannot et de l'ogresse. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Si tu veux. Dans une cabane vivait un pêcheur. Un très vieux pêcheur. Eh bien, tu as une sacrée fièvre, mon bonhomme. C'est chaud! Je t'ai pourtant dit 100 fois de ne pas sortir sans ta casquette. Oh, tu m'embêtes! Je n'aime pas cette casquette. Avec elle, j'entends pas les poissons arriver. Têtu comme un poulpe. Allez, avale. 75 ans et pas plus de cervelle qu'une sardine. Dis, grand-mère. On a plus d'argent, presque plus de provisions. Et monsieur s'en va pêcher tête nue dans le brouillard glacé. Dis, grand-mère. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Si tu veux, grand-mère, je peux y aller, moi, à la pêche. Toi? Mais tu es bien trop petit, mon Jeannot. J'ai 8 ans, grand-mère, et je connais la manœuvre, hein, grand-père? Pour sûr que tu te débrouilles, moussaillon. Tu vois, grand-mère, alors je peux... Oui, mais alors tu mettras la casquette. Je ne veux pas me retrouver ce soir avec 2 malades sur les bras. Là, ne prends pas froid, mon Jeannot. T'inquiète pas, va. Flotte, flotte, petit bateau, emmène-moi loin sur l'eau. Au revoir, grand-mère. À midi, je t'apporterai ton déjeuner. Parfait. Bon travail. Au travail, oui. Monique. Monique. Ouais. Je sors faire les courses, Monique. Ouais. Déjà midi? Jeannot, ton déjeuner! C'est pas grand-mère. Alors, Jeannot, tu viens, oui ou non? Oh, oh. Petit bateau, ne bougeons pas, c'est l'ogresse qui crie là-bas. Oh, c'est de flûte! Il m'a reconnu. Bonjour, forgeron. Fabrique-moi une petite voix en or comme la grand-mère de Jeannot. Et pourquoi que je ferais ça? Parce que si tu ne le fais pas, je te mange. Alors dans ce cas, parle pour voir. Jeannot! Jeannot! Bravo! Jeannot! 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 Jeannot!
Jeannot ? Jeannot ? Jeannot ? Parfait ! Jeannot ! Voici ton déjeuner ! Ah ! Reviens, reviens, petit bateau, ma grand-mère est au bord de l'eau. Ma grand-mère est au bord de l'eau. Monique ! Monique ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'apporte un petit Jeannot pour ce soir. Ah ouais ? Mets-le au four. Moi, j'ai encore des courses à faire. Et qu'il soit bien rôti pour le dîner. Ouais, ouais. Ah, bonjour. Je m'appelle Jeannot. Ah ouais ? Alors couche-toi sur la pelle, Jeannot. Comme ça ? Ouais, bouge plus. Couche-toi mieux. Comme ça ? Ouais. En calendouille, t'es pas capable de te coucher ? Excusez-moi, je suis un peu bête, mais montrez-moi et je comprendrai sûrement. Tiens, regarde, abruti. Là, c'est pourtant pas sorcier. Ah, d'accord, j'ai compris. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Au secours, ouvre-moi ! J'étouffe, j'ai chaud ! Au secours ! La pauvre, j'aimerais pas être à sa place. Bon, allez, je vais tout de même pas la laisser cuire là-dedans. Si tu me promets de me laisser partir, je te libère ! Ouais, d'accord ! Tu peux partir, c'est promis ! Hé ! Oh ! Où tu vas, Jeannot ? Bah, je m'en vais. Tu m'as promis la liberté, non ? Oh ! Oh ! Oh ! Ah ouais ? Tu croyais vraiment que j'allais te laisser partir ? Tu ne sais donc pas ce que vaut une promesse d'ogresse ? Fini de rire, bonhomme ! Tu dois être rôti à point pour 6 heures ! J'ai une meilleure idée ! Si tu faisais de moi un pâté en croûte, c'est bon, hein, les pâtés en croûte ? Tu aimes ça, Monique ? Oh ouais ? Mais je connais pas la recette ! C'est très facile, je vais te montrer. Il faut un grand saladier. Comme ça. Ah bon ? D'abord, un peu de farine. Tu as de la farine ? Ouais. Une pincée de sel ? Ouais. Et maintenant ? Tu as du beurre ? Ouais. Et alors ? Quelques œufs. Quelques œufs, ouais. Attends, pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, il faut bien remuer. Ah, d'accord. Ouais. Jeannot ! Jeannot ! Voici ton déjeuner. Oh, le petit vaurien, il est parti tête nue. Aussi buté que son... Oh, voilà. La pâte est prête. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu te trempes dedans. Oh, moi ? Oh bon ? La tête aussi. Et maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Tu sors et tu attends que la pâte durcisse. Rien de tel que des champignons bien vénéneux pour accompagner un Jeannot bien rôti. Monique ! Naturellement, elles auront oublié de mettre le Jeannot au four. Monique ! Ça sent bon ! Oh, elle a fait un pâté en croûte ! La brave petite ! C'est délicieux ! Monique ! Attention ! C'est si bon que si tu ne viens pas très vite, tu n'auras pas de Jeannot en croûte ! Oh ! Bonjour, madame ! Jeannot ? Mais alors ? Monique ! Brigand !
Tu m'as fait dévorer ma fille. Coucou. Attends un peu. Coucou. Coucou, je suis là. Vendron, fais-moi des dents en fer, sinon je te mange. Dans ce cas, alors... Voilà. Jeannot. Nous ne le verrons plus. L'ogresse l'a mangé. Allez, donne-moi ton assiette. Petit canard, emportez-moi. Mais il est trop jeune. Nos ennemis nous soutiennent à peine. Si vous ne m'aidez pas, l'ogresse me mangera. Voilà une histoire qui finit bien, monsieur Pierre. Pas pour l'ogresse. Bien fait pour elle. Quand même, la pauvre, lui faire manger sa fille en pâté. Attendez. Ma fille! Ma pauvre fille! Mais, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait du bois. Mais c'est du bois! Ça vaut rien, mis un fagot dans mon pâté en croûte! Monique! Monique? Monique? Bah, te voilà? Ben ouais. Dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Qu'est-ce qui se passe, Nadia? Tu n'as pas eu une bonne note? Tu parles, c'est dégoûtant. La moitié de la classe avait rien fait, alors on a une semaine de plus pour rendre l'exposé. Oh, c'est pas juste. Regardez-moi ça, monsieur Pierre. La petite a travaillé jusqu'à 11h hier soir pour fignoler son dossier. Toute la famille s'y est mise.
Hein, Bachir? C'est bien présenté. N'est-ce pas? Et les autres, qui ont regardé la télé ou qui sont allés se coucher au lieu de finir leur travail, on leur donne une semaine de plus. C'est pas juste. Appelez ça comme vous voudrez, monsieur Pierre, mais moi, j'appelle ça de l'injustice. Vous savez, injustice, justice, ça dépend aussi de quel côté on se trouve. Tous les enfants n'ont pas un papa Saïd ou un frère Bachir pour les aider jusqu'à 11h le soir. Tiens, ça me rappelle une histoire. Oh, qui nous la raconte, monsieur Pierre? Ça commence à la campagne. Il y avait deux vagabonds qui n'avaient pour tout bien qu'un morceau de pain chacun. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton pain à cette bestiole? Le pauvre est affamé. Son frère l'a jeté du nid. C'est pas juste. Pas juste, pas juste. C'est pas la justice qui nourrit son homme. Peut-être, mais il vaut mieux être juste. Regarde, il y en a qui roulent en carrosse et d'autres qui marchent à pied. C'est la justice, ça. Peut-être, mais il vaut mieux être juste quand même. Tu m'énerves à la fin. Écoute, on interroge la première personne qu'on rencontre. Si elle dit comme toi, je te donne mon pain. Si elle dit comme moi, tu me donnes le tien. D'accord? Vous vouliez me demander quelque chose, mes frères? Oui, justement. Voilà. Vaut-il mieux être juste ou injuste? Ah, la justice. C'est la plus belle chose du monde, mon frère. Car elle vient de Dieu. Tu vois? Hélas. Tout ce qui vit sur cette terre ne peut vivre que dans l'injustice. Je vous le dis, en vérité, il vaut mieux être injuste que juste. Merci, mon père. Il n'y a pas de quoi, mon fils. Oh, le moine. Mais j'ai gagné. Quand même, je pense toujours qu'il vaut mieux être juste. T'es trop bête, tiens. Tu comprendras jamais rien. En route, monsieur le juste. J'ai faim. Pour t'apprendre la justice, je te propose un marché. Je t'échange la moitié de mon pain contre tes yeux. Yeux? Pour une bouchée de pain? Ça va pas. Ce serait trop injuste. Mais je suis injuste. Justement. J'ai vraiment très faim. Je t'ai proposé un marché. Au moins, si je devenais aveugle, tu ne m'abandonnerais pas. Voyons, bien sûr que non. Tu resterais toujours avec moi. Bien sûr que oui. Bon, alors tant pis, j'accepte. J'ai trop faim. Mais elle est horrible, ton histoire. On se demande parfois où vous allez chercher des horreurs pareilles, monsieur Pierre. Le juste, il a échangé ses yeux contre un morceau de pain. Encore plus affreux que ça, il a échangé ses yeux contre rien du tout. Rien du tout. Où es-tu? Je suis là. Allez, au revoir le juste. Hé, là, où vas-tu? Et mon pain? Viens chercher. Où ça? Oh, attends-moi. Tu as promis de ne pas me laisser. Tu es injuste. Bien sûr que je suis injuste. Tu le sais bien. J'ai eu confiance en la justice. La justice m'a rendu aveugle. Puisque c'est comme ça, je choisis l'injustice. Demain, j'irai proposer mes services au diable. Hé, l'ami. Hé, oh. Qu'est-ce que tu veux, l'homme? Dis-moi, l'ami, sais-tu où je peux trouver le diable? Le diable? Rien de plus facile. Continue devant toi, prends le chemin qui mène à la forêt. Marche toujours tout droit, toujours, jusqu'à ce que tu entendes une source. Près de cette source, il y a un grand arbre. C'est l'arbre de l'enfer. Chaque nuit, les démons viennent s'y percher pour tenir leurs conseils. Couche-toi sous cet arbre, attends minuit et surtout ne bouge pas. Oh, j'ai embêté, La séance est ouverte.
Nous allons commencer par vérifier les tâches que je vous ai distribuées la dernière fois. Toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai tenté la bonne d'assurer. Elle a repris 3 fois de la crème au chocolat. Et terminé, la crème fouettée a en crevé. Super, bravo. Silence, silence. C'est tout? Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Et toi? Vous connaissez l'instituteur du village? Oui, oh, oui, oui. Celui qui dit toujours « Mes petits, il faut de la discipline !» Et ben, j'ai réussi à lui faire chanter en pleine classe. Margot, on n'avait pas de jupon. Oh, si Margot, on n'avait pas de jupon. Tout l'air, tout l'air. Faire pour avoir des amoutis pareils. Et toi, diablotin, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rendu aveugle la fille du roi. C'est stupide. Tu ne sais donc pas que l'eau de cette source guérit les aveugles? Moi, je le sais, camarade, mais le roi, lui, ne le sait pas. Tout se sait à la longue. Si tu veux devenir un démon de première classe, va falloir voir à trouver quelque chose de plus malin. Et toi, là-bas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, camarade, déguisé en moine, j'ai tenté de vagabonds qui discutaient du juste et de l'injuste. Je leur ai si bien répondu qu'avant la fin du jour, l'un d'eux était devenu aveugle et que son compagnon l'avait abandonné. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, excellent. Vous entendez ça, bande d'incapables? Pendant tout le reste de la nuit, le juste resta caché sous le grand arbre. Il entendit jusqu'au matin les démons discuter et raconter leurs méfaits. Miraculeuse qui rend la vue aux aveugles. Si tu la guéris, que demandes-tu comme récompense? Je veux l'épouser, ta majesté. D'accord, mais gare à toi. Si tu ne la guéris pas, je te fais couper la tête. C'est juste? C'est juste, ta majesté. Qui est là? Un homme, ma fille. Un vagabond qui prétend pouvoir te rendre la vue. Buvez, princesse. Et ne crains rien, tu ne m'as fait aucun mal avec ton injustice. Au contraire, regarde. Je te dois encore des remerciements pour tout ce qui m'est arrivé de bon. Incroyable ce que tu me racontes là. Quelle histoire. Tu vois bien qu'après tout, il vaut mieux être juste qu'injuste. Vu comme ça, ouais. Mais t'as raison. Tiens, prends cette bourse. Et rappelle-toi la leçon. T'en fais pas, je m'en souviendrai. Ce nigo, ce jobard, cet imbécile. Il s'imagine que je vais rester mendiant toute ma vie. Quoi? Ce crétin serait prince, mari d'une princesse et moi... Il faut que je devienne plus riche que lui. Bonjour, mes amis. Camarades, camarades. Tout le monde est là? Bien. La séance est ouverte. Excuse-moi, camarade, mais avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais faire une importante communication. Parle, camarade. Eh bien, voilà.
Quelqu'un a dû nous espionner la nuit dernière, car le mendiant aveugle s'est guéri lui-même avec l'eau de la source. Mais alors, nous avons tous manqué de vigilance diabolique. C'est inadmissible. Allons donc voir si quelqu'un nous écoute encore. Ma bourse, mon or. Par ici, de l'or. Me poser une question sur la justice et l'injustice, mon frère. Attends, au diable! De terre, les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Et voilà, monsieur Pierre. Trois boîtes de petits pois. Ça va, papa Saïd? Un peu plus, je vais me casser les reins. Je vais me casser les reins. Oh! Nadia! Bachir! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait! Non, rien du tout. Juste une tentative de meurtre sur la personne de votre père. Assassin! Cette pièce est une porcherie. Vous ne pouvez pas ramasser vos affaires. La terre est trop basse, sans doute. Qu'en pensez-vous, monsieur Pierre? Ça me rappelle une histoire. Ça m'aurait étonné. Eh bien, vous allez me raconter ça pendant que ces deux garnements rangent leur bazar. Si vous voulez. Eh bien, dans une ferme, vivaient un fermier et une fermière. Vous, vous rangez. Dans une ferme, vivaient un fermier et une fermière qui n'aimaient pas se baisser. Ils étaient négligents, mous et tellement paresseux qu'ils ne ramassaient jamais ce qu'ils avaient laissé tomber par terre. Aïe, oh ! Pour cette raison, on les appelait Monsieur et Madame la Terre est basse. Leur maison était mal propre et négligée, car ils ne balayaient jamais. Je fais là, moi. Hé, au secours! Ma place est dans la cour ou dans l'écurie, mais prends ton balai, Madame la Terre est basse, et pousse-moi dehors. Hé, oh! Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas un endroit pour moi. Hé, là! Me laisse pas sur le carreau. Prends-moi avec des pincettes et remets-moi au feu. C'est super dangereux. Si j'étais tombé sur le tapis, je suis chez le feu à la baraque. Et moi? Tu crois que c'est la place d'une paille dans une maison? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La patronne n'aime pas se baisser.
On l'appelle Madame la Terre et Brass. Oh. Qu'est-ce que je fais là? Madame! Je veux pas rester. Je veux remonter dans le saladier avec mes frères. Tu crois qu'elle va te ramasser? Tu te fais des idées, gamin. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Terre et Basse. Pauvre Ptio, tu lui fais peur. Au secours! Au secours, la Terre est Basse! Je veux retourner à ma place! Baisse-toi et remets-moi dans le plat! Ne te fatigue pas, petit. Elle t'écoute même pas. Elle dit j'en pensais à autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait? La couture. Zut de flûte. Flûte de crotte. Oh! Bof. Burk? Mais qu'est-ce que je vais pas faire? C'est dégoûtant. Ma place est dans le nécessaire à ouvrage, voyons. Pas sur le pavé. Mais qu'attend donc cette femme pour m'y replacer? Plaît-il? Pas question que je reste dans un endroit si mal fréquenté. Non, mais vous l'entendez? Les idées qu'elle se fait, celle-là? Au secours! Madame la Terre est basse! Ne me laissez pas en si mauvaise compagnie! Replacez-moi dans mon étui, je vous en prie! Ma vieille, tu peux toujours attendre. Elle t'a déjà oublié comme nous trois? Je vois. Bien. Dans ce cas, je vais vous dire une bonne chose. Moi, je ne reste pas une minute de plus dans la maison d'une femme aussi peu soigneuse. Adieu. Où vas-tu? Je m'en vais parcourir le monde. Tiens, c'est une idée. Une très bonne idée. Et si nous allions avec toi? Avec moi? Pourquoi pas? Mais à une condition. Laquelle? Il nous l'a dit. Que vous cessiez de me tutoyer. C'est vrai, quoi. On n'a pas cousu les boutons ensemble. D'accord. Entendu, on suit. Nous vous suivons, princesse. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un gouffre? Un abîme? Un fleuve? Juste un ruisseau, voyons. Et comment on va faire, nous, pour traverser? Je pense à quelque chose. Puisque vous êtes si longue, ma chère, couchez-vous donc en travers de ce ruisseau. Nous pourrons ainsi passer sur vous, comme sur un pont. Passez sur moi. Ça va pas? Pourquoi? C'est une super idée. Super? Ma chère! Bon, mais alors, passez le plus vite possible, hein, parce que je suis pas très solide, moi. Entendu. 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 Bon, allez-y. Mais surtout, sans vous arrêter, hein. À moi. C'est moi, ça? Pas mal, non? Hé! Hey. Oh! Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète. Reste pas là! Dégage! Doucement, ma vieille! Y a pas le feu! Oh! Y a pas le feu? 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 Oh! Voilà ce qui s'appelle crever de rire. Je peux vous recoudre si vous voulez. Vraiment? Vous feriez ça? Ne bougez pas. Voilà. Comme ça, ça va mieux? Merci. Ça va. Mais non, ça va pas! Regarde, tu m'as recousu en noir. De quoi j'ai l'air maintenant? Je trouve ça plutôt chic. Du noir avec du blanc, au moins on est sûr de ne pas faire de faute de goût. On n'a jamais vu un haricot comme ça. C'est vrai que c'est assez nouveau, très mode. Vous allez voir, ça va beaucoup plaire. L'aiguille avait raison. C'est à cette époque qu'on a vu arriver une nouvelle race de haricots noirs et blancs. Et ensuite,
Rangez. Et ensuite, monsieur Pierre? Ensuite, l'aiguille a dit qu'elle avait une idée. J'ai une idée. Encore? Nous sommes trop petits pour parcourir le monde, il est trop dangereux. Rentrons à la maison. Oui, mais alors, madame la Terre Basse veut encore nous laisser partir. Attends, j'ai une idée. Encore? Ça va aller. Ne me lâchez surtout pas. Plaît, je te tiens. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qui te prend? Quelque chose m'a piqué dans mon chausson. Y a rien. Avec ta manie aussi de tout laisser traîner. Ah, ouais, ouais. Comme ça, parfait. Chut. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose m'a piqué dans le buffet. Aïe. Je me demande ce qui a bien pu me piquer au milieu de mon linge. Si tu rangeais tes affaires, ça n'arriverait pas. Je finirai bien par trouver ce que c'est. C'est quand même agréable, une maison bien rangée. Oh? Qu'est-ce que c'est que ça? Là! Rôle de haricot. J'en ai encore jamais vu de comme ça avec un ventre noir. Et c'est ainsi que grâce à une aiguille et un haricot, monsieur et madame La Terre Basse sont devenus madame Fauxsabrille et monsieur Frotte Toujours. L'aiguille était bien contente d'être revenue dans son étui. Et le haricot? On a tout fini, papa. Le soir même, monsieur Frotte Toujours faisait une belle galette pour madame Fauxsabrille. Ah! Je crois que c'est moi qui ai la fève, mon amour. L'amourale de tout cela, si vous voulez savoir, voilà. Passez très vite sur les ponts. Surtout si le fleuve est profond. Ne riez jamais du malheur de vos frères ou de vos sœurs. Rangez bien toutes vos affaires quand vous n'avez plus rien à faire. Et ce que vous laissez tomber, baissez-vous pour le ramasser. Rires.